me permets de prendre la parole pour introduire notre invité, Philippe Van Parijch, qui est professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Il est l'un des principaux chercheurs actuels en philosophie politique. Je suis honoré et ravi de pouvoir l'écouter pour la présentation de son livre « Le revenu de base inconditionnel, une proposition radicale » paru l'an dernier à La Découverte. Les questions qu'agite cet ouvrage sont d'actualité, notamment parce qu'elles ont fait l'objet d'un débat lors de la précédente élection présidentielle à travers le programme de Benoît Hamon. Philippe Van Parijch travaille sur cette question depuis longtemps, les années 80 au moins, et il me semble qu'il est l'un des cofondateurs du réseau international sur le revenu de base. Ce n'est pas une question récente, puis on pourrait remonter plus loin dans l'histoire pour trouver une antériorité à cette idée. Avant de lui donner la parole, j'insiste sur le fait que cette question soulève de nombreux débats, en particulier avec ceux qui militent pour un droit au travail et qui voient du coup d'un mauvais œil l'idée d'un revenu de base inconditionnel qui serait dissocié du travail, mais aussi avec ceux qui défendent d'autres versions du revenu universel, le salaire à vie, l'allocation universelle, etc. On oppose souvent à ceux qui défendent le revenu universel d'être des néolibéraux, au sens où Friedrich Hayek a pu soutenir justement la création d'un revenu de base comme une assurance contre l'infortune excessive, en vue notamment de la stabilité d'un système économique qui produit forcément du chômage. Pour ceux qui sont intéressés, c'est page 493 hein, de Droit, législation et liberté au PUF, hein, dans l'édition française. On ne peut clairement pas réduire cette intuition à ce qu'en ont fait les néolibéraux. Et d'ailleurs, il y a des thèses de gens qui sont très à gauche en faveur, par exemple, du salaire à vie, à la manière de Bernard Friot, alors qui est très connu en France, notamment à travers le réseau, les militants du réseau Salariat. Il défend un salaire à vie, c'est-à-dire un salaire indexé sur un statut similaire à celui de fonctionnaire. Cela supposerait alors la fixation et le versement des salaires la fixation et le versement des salaires de la fonction publique soit généralisée à toutes les branches de l'économie. Le revenu de base inconditionnel proposé par Philippe Van Parijch est bien différent des deux précédents dans sa justification. Afin d'éviter tout malentendu, il me semble extrêmement important de rappeler cela pour qu'on soit tous attentifs aux nuances et aux arguments très spécifiques qui sont avancés ici. Il me semble que la version du revenu de base proposée par Philippe Van Parijch est certainement l'une des approches les plus discutées et les plus débattues sur le plan international. Et c'est pourquoi je remercie Philippe Van Parijch d'avoir bien voulu se déplacer depuis Bruxelles pour venir nous en parler. J'ai un peu trop parlé, mais il me semblait important de rappeler ces points-là. Philippe Van Parijch va parler 40-45 minutes pour présenter son ouvrage, et puis ensuite un débat sera ouvert avec l'auditoire, et je ne doute pas que des questions vont surgir. Alors le mieux, c'est que chacun attende justement la fin pour les poser. Je vous remercie et je remercie Philippe Van Parijch pour sa présence. Pour m'assurer que je ne parle pas trop longtemps et que j'ai suffisamment de temps pour vous entendre. Alors, 37 ans, ça fait un peu plus de 37 ans que cette idée m'est venue. Et depuis lors, j'ai eu l'occasion d'en parler sur les 6 continents et dans 7 langues différentes. Et je ne suis pas encore tout à fait lassé de le faire, parce qu'à chaque fois, ça me force à réfléchir à cette idée. Mais je ne m'attendais certainement pas, il y a un peu plus de 37 ans, à ce que je me retrouve aujourd'hui ici à Bordeaux et à la sympathique invitation de la librairie. Que je me retrouve ici à vous présenter cette idée.
le livre, à l'occasion de la publication de ce livre, qui est la traduction française d'un livre publié il y a 2 ans par Harvard University Press, et qui depuis lors a aussi déjà été traduit dans plusieurs autres langues, dont 2 fois. Traduit dans plusieurs autres langues, dont 2 fois en chinois, 1 fois en caractère dit complexe à Taïwan, où l'année même de la parution aux États-Unis, c'était déjà publié à Taïwan. Et puis il y a une traduction en caractère dit simplifié, mais qui traîne déjà depuis un peu plus d'un an à l'office de la censure à Beijing. Alors, bon. Signifie que, en tout cas, dans une partie du monde, et pas la moindre, c'est un livre qui est considéré comme subversif ou pourrait l'être, s'il n'est pas oublié dans un coin poussiéreux de l'Office de la censure. Alors, si j'ai écrit ce livre, c'est d'abord en raison d'une espèce de devoir moral à l'égard de cette idée. Bon, au moment où, au début des années 80, j'ai commencé, l'idée m'est venue, puis j'ai commencé à y réfléchir et en discuter, ben, il y avait très peu de personnes qui en avaient entendu parler, et encore moins de personnes qui défendaient cette idée. Et aujourd'hui, pour diverses raisons auxquelles j'aurai l'occasion de revenir, cette idée a acquis une popularité mondiale. Le dernier soubresaut de ce genre-là, qui se poursuit encore, c'est... Andrew Yang, qui est, comme certains de vous le savent certainement, qui est candidat à l'investiture démocrate pour la présidence des États-Unis, et son idée centrale, ce sur quoi il mène campagne, c'est ce qu'il appelle le Freedom Dividend, le dividende de la liberté, qui est un revenu de base au sens exact, qui est tel qu'il est défini dans le livre. Alors, popularité mondiale, très bien, mais cette popularité s'accompagne inévitablement de très nombreux malentendus, de très nombreuses fake news, d'informations incorrectes. Je me suis dit qu'il m'incombait d'essayer de clarifier ces malentendus, d'essayer de corriger un certain nombre de ces fake news en produisant un livre qui fasse le point sur les différentes dimensions de la discussion, depuis l'historique de l'idée jusqu'à la discussion philosophique sur cette idée, la discussion économique et la discussion politique sur les propositions qui sont d'une manière ou d'une autre des versions de cette idée. Et alors, j'estimais que cette tâche m'incombait parce que j'ai l'avantage de me trouver au centre d'un réseau qui est aujourd'hui un réseau mondial qui a fortement contribué à la diffusion de cette idée à travers le monde. En 1986, donc quelques années après que j'ai eu l'idée, j'ai réuni à Louvain-la-Neuve, donc sur le campus de mon université, les quelques personnes qui, à travers l'Europe, avaient parlé ou avaient marqué une forme d'ouverture à l'égard de cette idée. Ce fut l'occasion de créer une petite association à l'époque qu'on a appelée le BIEN, Basic Income European Network, que j'ai coordonné pendant pas mal d'années en tant que secrétaire et newsletter editor, jusqu'à ce que, lors d'un congrès à Barcelone en 2004, cette petite association devienne un réseau mondial. Alors, l'acronyme était trop bon bien pour l'abandonner, donc le Basic Income European Network est devenu le Basic Income Earth Network, et le dernier congrès a été tenu en août dernier à Hyderabad, en Inde, le prochain aura lieu en Australie, et le suivant en Écosse, donc il y en a déjà eu au Cap, à Montréal, etc., donc c'est vraiment sur l'ensemble des continents que le réseau est aujourd'hui implanté, avec une exigence centrale qui est de ne pas faire fondamentalement du lobbying, mais simplement de faire comprendre l'idée et de diffuser des informations correctes sur cette idée. Il n'y a pas de meilleure arme pour conduire à l'instauration d'une idée, si radicale soit-elle, mais juste, il n'y a pas de meilleure arme que de l'information correcte, qui ne se contente pas de diffuser des faits qui sont favorables à l'idée, qui ne se contente pas de diffuser des arguments ou de faire connaître et comprendre des arguments qui sont favorables à l'idée, mais
qui permet une discussion intelligente et donc critique face à cette idée. Alors, donc, c'est cette, la raison pour laquelle je me suis engagé dans le gros effort, finalement, de produire ce livre. Mais je dois dire que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu un co-auteur, Yannick Vanderborg, qui avait fait sa thèse sur le sujet sous ma direction, il y a déjà maintenant pas mal d'années. Parce que, bon, quand on écrit un bouquin de philosophie, tu ne me contrediras pas. Bon, on évoque de temps en temps des faits, mais finalement, il n'y en a pas tellement dans un bouquin de philosophie. Il s'agit surtout d'arguments. Mais quand on écrit un livre qui comprend une composante historique, une composante économique, une composante politique importante, il y a une quantité énorme de fact-checking, comme on dit, de contrôle des affirmations qui est nécessaire. Et là, heureusement que j'avais un co-auteur pour le faire. C'est un travail important, mais fastidieux, et particulièrement important si on veut produire un ouvrage de référence sur le sujet qui peut être un véritable outil pour tous ceux qui s'intéressent à l'idée, des plus enthousiastes jusqu'aux plus critiques. Alors, ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est deux choses. D'une part, je voudrais, à partir de 5 questions, clarifier justement un certain nombre de malentendus relativement répandus ou corriger un certain nombre d'affirmations qui sont assez largement diffusées sur l'idée. Et puis, je voudrais aborder brièvement l'une ou l'autre question, l'une ou l'autre interrogation soulevée par cette idée de revenu de base, dont l'importance m'est apparue plus fortement récemment, je dirais, qui sont des questions sur lesquelles ma conviction n'est pas totalement faite. Bon, d'abord donc, autour de 5 questions, je voudrais clarifier quelques points. Première question, est-ce que, oui ou non, et je vais vous poser la question, hein, vous pourrez lever la main pour dire oui ou pour dire non. Première question, donc, est-ce que le revenu de base inconditionnel, comme on l'appelle dans le livre, ou le revenu universel, comme il est souvent appelé en France, ou l'allocation universelle, comme je l'avais appelé initialement, faute de l'existence d'un nom pour la désigner au moment où l'idée m'est venue, est-ce que donc ce revenu de base inconditionnel abolira la pauvreté? Ceux qui estiment que oui, lèvent la main. Et quand je dirai maintenant, et ceux qui estiment que non, lèveront la main après. Donc, ceux qui estiment que, à cette question, donc qui parmi vous estime que oui, le revenu universel ou le revenu de base abolira la pauvreté, ceux-là lèvent la main. OK. Ceux qui estiment que non, lèvent la main. OK. Alors, quelle est la réponse correcte à cette question? Bon, d'abord, évidemment, ça dépend de ce qu'on va appeler pauvreté. Il y a de multiples définitions de la pauvreté. Bien sûr, la pauvreté n'est pas que monétaire. Il y a des dimensions de la pauvreté qui sont irréductibles aux revenus que l'on perçoit. En outre, bien sûr, le seuil de pauvreté, donc si on se concentre sur la pauvreté monétaire, le seuil de pauvreté est différent. Est différent par tête, le seuil de pauvreté par tête, par personne, est différent selon la composition du ménage. Et donc, ce qui est suffisant pour atteindre ce seuil de pauvreté au moment où on habite avec 5 autres adultes, ne sera pas suffisant si on vit seul, hein, en raison d'un certain nombre de coûts fixes liés à l'existence d'un ménage séparé. Donc, il y a... donc inévitablement, donc si quel que soit le niveau de seuil de pauvreté qu'on a choisi, ben, si le revenu universel est suffisant pour atteindre ce seuil de pauvreté, même si on vit seul, il sera nettement au-dessus de ce qui est nécessaire pour la pauvreté si on vit dans un ménage plus nombreux. En plus, bien sûr, le coût de la vie dépendra fortement selon qu'on habite à la campagne ou à la ville, dans une métropole ou dans une petite bourgade, etc. Mais le point fondamental, c'est que par définition, le revenu de base universel, le revenu de base inconditionnel, le revenu universel ne stipule aucun niveau
Le revenu de base inconditionnel est défini par trois inconditionnalités. C'est un revenu qui est strictement individuel, donc son niveau ne varie pas en fonction de la composition de la famille, il est donné à chaque individu et quelle que soit la composition de son ménage. Deux, il est universel au sens où il est indépendant des revenus de la personne en question, donc il est donné au même niveau aux riches comme aux pauvres. Et troisièmement, troisième inconditionnalité, il est libre de toute obligation, ce qui veut dire que il est attribué aux personnes qui travaillent, aux personnes qui sont chômeuses et chercheuses d'emploi, aux étudiants, aux étudiantes. Il est donné aux personnes qui choisissent simplement de souffler un moment avant de se remettre à chercher un emploi. Ils sont donnés aux personnes qui choisissent de s'occuper de leurs enfants, etc. Ils sont aux personnes retraitées. Il est donné à l'ensemble de la population adulte. On peut aussi considérer qu'il est donné, mais à un niveau inférieur aux enfants, à moins qu'on préfère dire qu'il y a les allocations familiales, qui peuvent être des allocations familiales universelles au même sens, indépendamment de la situation familiale de ces enfants. Donc, soit on dit des allocations familiales distinctes de l'allocation universelle qui est restreinte aux adultes, soit on dit qu'il y a une allocation universelle pour tous, mais à un niveau qui est inférieur pour les enfants, qui peut être du reste gradué en fonction de leur âge. Donc, ce sont ces trois inconditionnalités qui définissent le revenu de base. Le revenu de base inconditionnel, quand on parle d'inconditionnel, ce sont c'est de ces trois inconditionnalités qu'il s'agit. Mais rien dans cette définition n'implique un niveau particulier. Ce niveau pourrait être supérieur au seuil de la pauvreté, mais il peut aussi être inférieur. La question de ce niveau est bien sûr une question importante, mais il faut la distinguer de la question de la définition du revenu inconditionnel. De quel niveau doit-on, cela a-t-il un sens de parler? Ça va dépendre bien sûr de l'endroit où on se trouve, de l'échelle à laquelle on veut introduire un tel revenu. Par exemple, il y a une expérimentation en cours au Kenya, donc pour un certain nombre de villages où pendant 12 ans, chaque adulte reçoit une allocation universelle, un revenu universel de 2 euros. De 20 euros par mois. Ce qui fait une différence dans les conditions de ce village. C'est une contribution importante à la réduction de la pauvreté. Mais dans le contexte de l'Europe d'aujourd'hui, bien sûr, c'est un niveau bien trop négligeable pour que ça ait un sens de l'introduire. Mais ça dépend de l'échelle. Nous défendons dans le livre, dans le dernier chapitre du livre, un eurodividende financé par la TVA au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, ou à tout le moins au niveau de l'eurozone, un niveau de 200 euros par personne et par mois. Mais s'il s'agit d'introduire en une première phase un revenu universel dans un pays européen particulier comme la France, le type de niveau qu'il importe de discuter, c'est un niveau qui situe entre, disons, 400 et 600 ou 700 euros par mois. Alors, ça c'est voilà pour la première question, donc qui est est-ce que, et en quel sens est-ce que un revenu de base universel abolirait la pauvreté? La réponse est, ça dépend de son niveau. Si l'allocation universelle est placée à un niveau supérieur à ce qui est considéré à un certain moment comme le seuil de pauvreté pour une personne seule, alors ça abolit la pauvreté. Mais ce n'est pas par définition que le revenu universel le ferait. Deuxième question, est-ce que le revenu universel remplace l'ensemble des allocations existantes? Est-ce que, je vous pose de nouveau la question, est-ce que le revenu de base remplace l'ensemble des allocations existantes? Qui pense que oui? Cela lève la main. Qui pense que non? Ok. Bien sûr, lorsque on parle
Dans le cas de la France, d'un revenu universel de 400 euros, 500 euros, 600 euros, il ne peut pas s'agir de remplacer l'ensemble des allocations par ce revenu universel. Il faut voir ce revenu universel comme un socle que l'on place en dessous de l'ensemble de la distribution des revenus, y compris les revenus qui prennent la forme d'allocations, mais ces allocations devant être recalibrées. C'est-à-dire qu'on aurait, par exemple, quelqu'un qui aurait une pension, mettons, de 2 200 euros par mois, si on introduit un revenu universel à 600 euros, il y aurait 600 euros qui sont inconditionnels, indépendants de la carrière antérieure, et puis un 600 euros complémentaire qui est lié à la carrière antérieure, aux cotisations qui ont été payées en cours de route. De même, s'il y a une allocation de chômage qui se situe, disons, à 850 euros par mois, eh bien, si la personne a 600 euros de revenus universels, il y aura un complément de 250 euros qui, sous la forme d'une prime d'assurance sociale qui est liée à la situation d'un chômeur involontaire. Donc, l'ensemble des allocations serait recalibré, qu'il s'agisse des allocations d'assurance sociale, donc qui sont financées par des contributions qui sont payées par chaque travailleur, ou qu'il s'agisse aussi d'allocations d'assistance sociale. Donc, si une personne reçoit une allocation d'assistance sociale en tant que personne invalide ou en raison simplement de sa situation de pauvreté qui se situe aujourd'hui à 800 euros, disons, elle recevra aussi un complément de 200 euros. Donc, il faut vraiment voir ça, non pas comme un substitut à l'ensemble de notre état-providence actuel, mais comme une troisième forme de protection sociale qui complète et les deux autres et leur permet de mieux fonctionner. On a l'assistance sociale dont l'origine remonte au début du XVIe siècle, qui est une aide aux pauvres, aux nécessiteux, une espèce de charité organisée par les pouvoirs publics, alors qu'auparavant c'était une affaire de charité privée ou une affaire des congrégations religieuses. Ça, c'est l'assistance sociale. Puis on a l'assurance sociale qui répond à une logique totalement différente. C'est une solidarité entre les travailleurs qui a été mise en place pour la première fois par Bismarck en Allemagne à la fin du 19e siècle. Et le revenu universel, c'est une troisième forme de protection sociale. Ce n'est ni la charité publique, ni la solidarité entre les travailleurs. C'est une forme de distribution entre tous d'un héritage commun. Une distribution équitable entre tous d'une part de cet héritage commun. Je pourrais revenir plus tard sur la justification philosophique de la chose. Voilà pour la deuxième question. Alors, troisième question. Alors, les trois autres questions porteront sur un petit aspect de la dimension historique, un petit aspect de la dimension économique, un petit aspect de la dimension politique. Troisième question, donc, est-ce que il est vrai que le premier à avoir formulé l'idée de revenu universel, la proposition d'un revenu de base inconditionnel, est Thomas More dans son petit livre L'Utopie? Est-ce que première formulation de cette idée remonte à l'Utopie de Thomas More? Qui pense que oui, cela lève la main. Ok, qui pense que non? Oh là là, il y a beaucoup d'abstentions. Je repose la question. Vous ne vous engagez pas au-delà des 30 secondes qui suivent. Hein. Donc, qui pense que, effectivement, donc réfléchissez d'où qui pourrait avoir formulé pour la première fois cette idée-là, hein, cette idée d'un revenu véritablement inconditionnel, donc différent de l'assistance sociale, qui a non seulement été défendue, mais mise en œuvre initialement dans quelques villages flamands et allemands, dans quelques petites villes flamandes et allemandes au début du XVIe siècle. Donc c'est profondément différent, parce que cette assistance aux pauvres, elle était profondément conditionnelle, c'était seulement pour les pauvres, ça tenait compte de leur situation familiale, et c'était soumis à une disposition à travailler, et souvent c'était soumis à un véritable travail forcé pour les pauvres. Donc si on a une idée beaucoup plus radicale, de par son inconditionnalité, est-ce que cette idée radicale, on peut la trouver dans l'utopie de Thomas More?
Qui pense que oui, cela lève la main. Tour d'abord, c'est 1516. Qui pense que non, bon, encore beaucoup d'abstentions prudentes. Bien, à juste titre, peut-être, parce que il y a effectivement dans Thomas More quelque chose qui ressemble un peu, pas dans sa description de ce qui se passe dans l'île d'Utopie, parce que dans l'île d'Utopie, c'est une société communiste, donc toute la propriété est collective, mais il y a une obligation de travail pour chacun des membres de cette collectivité. Certes, à temps partiel, hein, il y a pas mal de fêtes, pas mal d'activités de loisirs, mais il y a une obligation de travail. Néanmoins, dans la première partie du livre, où il ne s'agit pas de l'île d'Utopie, il y a un passage particulièrement que j'ai toujours trouvé particulièrement intéressant, particulièrement subtil. C'est une discussion entre Raphaël, le voyageur qui est allé dans l'île d'Utopie, et l'archevêque de Canterbury, et puis quelques autres convives. Et la question qui est discutée, c'est la question de savoir pourquoi il y a tant de meurtres en Angleterre comparé à la France, où il y en a beaucoup moins proportionnellement. Bon. Et la réponse de Raphaël consiste à dire, mais c'est évident, vous les Anglais, vous êtes complètement stupides, alors que les Français sont très intelligents. Pourquoi ? Parce que en Angleterre, vous punissez de la peine de mort le crime de vol. Hein, si quelqu'un est pris en train de voler, il est puni de la peine de mort. Alors on croit que ça va fortement dissuader les voleurs, mais ça encourage surtout les meurtriers, ou ça encourage au meurtre, parce que si vous êtes pris en train de voler par quelqu'un qui vous a vu et qui risque de rapporter le fait, ben, franchement, vous avez intérêt à le tuer, hein, puisque le tarif est quand même le même que vous ayez volé ou que vous ayez tué. Et donc, dit Raphaël, c'est un peu de raisonnement devrait vous conduire, vous pauvres Anglais, à vous rendre compte que c'est beaucoup plus intelligent d'avoir une peine quand même un peu plus tendre, comme c'est le cas en France, pour les voleurs, hein, de manière à ce qu'il y ait moins de voleurs qui soient transformés en meurtriers. Et si vous voulez lutter contre le vol, il y a une autre idée qui est bien plus intelligente que la peine de mort, c'est simplement de vous assurer que chacun ait suffisamment à manger pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, il y a chez Thomas More l'idée d'une garantie de subsistance. Le terme latin qu'il utilise, c'est proventus vitae, et un droit, une garantie de subsistance, mais rien n'indique dans le texte que cette garantie de subsistance doit prendre une forme inconditionnelle. Et donc, on attribue très fréquemment, mais à tort, l'origine de l'idée de revenu inconditionnel à Thomas More. En fait, le premier à avoir formulé quelque chose qui y ressemble, c'est Thomas Paine, grand idéologue et activiste de la Révolution américaine et de la Révolution française, un grand ami de Condorcet. Et dans un mémoire adressé au directoire, donc en France, mais rédigé en anglais, sous le titre « Agrarian Justice », la justice agraire, il défend l'idée que la terre nous appartient à tous en commun. Et la valeur de cette terre, la rente associée à cette terre, hein, terre qui est largement appropriée de manière privée, la rente associée à cette terre doit être distribuée à tous. De manière à tous et toutes, hein, hommes et femmes, de manière inconditionnelle. Mais pas vraiment sous la forme d'un revenu inconditionnel tout au long de la vie, mais sous la forme d'une dotation inconditionnelle donnée à tout jeune atteignant l'âge de 21 ans, quelle que soit sa situation pécuniaire et familiale, et sous la forme aussi d'une pension de base, une pension de retraite de base à partir de l'âge de 50 ans. Et donc, il fait des calculs détaillés pour savoir à combien ça se montrait. Donc là, on a vraiment l'idée d'inconditionnalité, mais qui prend la forme d'une dotation de base et puis d'une pension de retraite de base. Le premier à avoir formulé l'idée d'un revenu véritablement inconditionnel tout au long de la vie, avec un raisonnement analogue à celui de Thomas Paine, c'est quelqu'un qui s'appelait Joseph Charlier, qui a publié à Bruxelles, en 1848, un petit traité intitulé « Solution », ambitieusement,
intitulé « Solution du problème social » et où il défend ce qu'il appelle le dividende territorial, donc avec l'idée que aussi que la terre appartient à tout le monde et pour lui à l'ensemble des membres de la société. Et pour lui, c'est pas seulement la terre, mais c'est aussi l'ensemble du patrimoine immobilier qui appartient à chacun. Et donc la valeur de ce patrimoine immobilier doit être partagée entre tous. Bon. C'est pas très clair si quelqu'un a lu son petit livre. Comme nom d'éditeur, il y a chez tous les libraires du royaume, ce qui suggère qu'il l'a publié au nom d'auteur. Son petit livre est devenu beaucoup moins célèbre qu'un autre petit livre rédigé à Bruxelles la même année, en 1848, qui est intitulé « Manifeste du Parti communiste », qui est encore le livre de référence du pays le plus peuplé du monde, plus d'un siècle et demi plus tard. Voilà donc pour la petite rubrique historique. Je passe à la rubrique économique. C'est un brin plus ardu quand même. Alors, mais c'est important pour comprendre ex post la discussion qui a eu lieu en France, à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, lorsque Benoît Hamon a proposé le revenu universel. Et cette, donc ma quatrième question c'est, est la suivante. Est-ce que... Donc, question un peu plus technique, hein, mais donc je vous expliquerai. Est-ce que le revenu de base, donc au sens où j'ai défini, est-ce que c'est la même chose que l'impôt négatif sur le revenu, l'impôt négatif sur le revenu? Alors, bon, j'admets ici qu'il y ait un certain nombre d'abstentions prudentes, mais qui pense que oui, ceux-là lèvent la main maintenant, c'est la même chose. Qui pense que non, ok, bien. Alors, je m'attendais à plus d'abstention, mais alors la réponse est un peu oui, mais surtout non. Et je m'explique. Bon, c'est quoi l'impôt négatif sur le revenu? C'est quelque chose qui, en tout cas, à première vue, semble une alternative bien plus intelligente, une alternative à l'allocation universelle et bien plus intelligente dans son profil. Supposons qu'on introduise, sauf dans un pays où on introduit une allocation universelle à un niveau de 20% du revenu moyen, et que ce revenu moyen soit 1000 euros par mois, et donc 20% allocation universelle de 200 euros par mois distribués à chacun. Et on la finance par un impôt de 20%, un impôt linéaire, proportionnel, de 20% du revenu de chacun. Bon, supposons que vous gagnez 5000 euros par mois, on vous dit, bon, 20%, on vous prend 20%, donc c'est, vous gagnez 5000, vous payez 1000 euros en impôts, et vous recevez 200 euros d'allocation universelle. Alors, dans le cas de l'impôt négatif, on dit, ça c'est idiot de faire ça, d'aller prélever les 1000 euros et de redonner 200 euros. On va dire, on va plutôt organiser ça en disant, monsieur, au lieu de payer, au lieu de payer 1000 euros et puis de recevoir 200 euros, ben, vous payerez seulement 800 euros. Bon, si maintenant vous gagnez 100 euros, on vous prend 20 euros, mais on vous donne 200 euros. Donc, au lieu de faire tout ça, on va vous dire, vous recevez 180 euros. Et ce sont seulement ceux qui ne gagnent rien du tout qui reçoivent l'intégralité du montant. Ça empêche, ça nous épargne en quelque sorte le va-et-vient, consiste à prendre d'une main ce qu'on va redonner de l'autre. Donc, c'est ça l'impôt négatif. L'impôt négatif consiste donc à arriver en quelque sorte à la même distribution de revenus nets, mais en prélevant beaucoup moins d'impôts, puisqu'on ne doit prélever en impôts que ce qui est alors attribué aux personnes qui doivent moins en impôts que ce à quoi ils ont droit sous la forme d'un revenu universel. C'est ça, fondamentalement, l'impôt négatif. Alors, cet impôt négatif a été formulé pour la première fois par un économiste français,
appelé Cournot, mais il a été surtout popularisé par un des pères fondateurs du néolibéralisme, Milton Friedman, dans un livre publié en 1962 sous le titre « Capitalisme et liberté ». Alors, est-ce que l'allocation universelle et cet impôt négatif sur le revenu, est-ce que c'est la même chose? Bon, est-ce que ça revient au même? Et si ça revient pas au même, est-ce que l'un est préférable à l'autre? C'est la différence entre les deux et en même temps la similarité entre les deux, la similitude entre les deux, sont importantes pour comprendre ce qui a eu lieu lors des deux stades de la campagne électorale pour la dernière campagne électorale présidentielle en France. Parce que, aux primaires, lors des primaires, ce que Benoît Hamon proposait, c'était un véritable revenu de base inconditionnel. Hein, l'idée sous-jacente, c'était vraiment que chaque citoyen français allait, même s'il y avait des phases intermédiaires, allait recevoir un montant, une somme dont, dont le niveau exact devrait être précisé au fil du temps, mais devrait le recevoir ex ante, indépendamment de toute autre considération. Mais alors, on est passé des primaires à la présidentielle elle-même, et Benoît Hamon a recruté dans son équipe deux économistes chevronnés, Thomas Piketty et Julia Cagé, qui lui ont proposé, il a accepté ça, de présenter, pour la rendre plus acceptable, hein, au-delà d'un public de jeunes enthousiastes, pour la rendre plus acceptable à l'électorat, proposer de reformuler l'idée de telle sorte que ça n'apparaisse pas comme un immense prélèvement social pour aller donner une somme de 500 euros, 600 euros, que sais-je, multiplié par le nombre de citoyens français ou le nombre d'ayants droit, y compris des résidents non citoyens. Alors, il y a même moyen de présenter ça comme une réduction d'impôts. Et donc, dans la phase présidentielle, l'idée du revenu universel, hein, Thomas Piketty préférait l'expression salaire juste pour parler de la même chose, hein, en fait, c'était transformer le revenu universel donné à tous en un impôt négatif sur le revenu tel que je viens de le décrire. Alors, bien sûr, il ne fallait pas appeler ça impôt négatif sur le revenu, parce que comment galvaniser la foule, les foules en proposant quelque chose qui est non seulement un impôt, mais en plus est négatif, hein, là, en termes d'étiquetage politique, ça n'aurait vraiment pas été heureux. Et deuxièmement, l'impôt négatif sur le revenu, ça a effectivement une connotation néolibérale du fait que celui qui a popularisé l'idée est un des pères fondateurs du néolibéralisme. Ceci dit, dans le passé, des personnes qui ne peuvent pas être considérées comme néolibérales du tout ont défendu l'idée d'infléchir graduellement le RMI, et puis ce qui s'appelle aujourd'hui le RSA, dans la direction d'un impôt négatif. Et ce serait certainement une amélioration par rapport au RMI. Faire passer un revenu universel pour une réduction d'impôts, et donc effectivement en net, ceux qui perçoivent le SMIC en France auraient dû payer moins en impôts avec la réforme proposée par Hamon, dans la formule impôt négatif. Donc, mais présenter un revenu universel comme une réduction d'impôts, c'est vraiment une espèce de tour de passe-passe qu'il était difficile de faire comprendre à l'électeur moyen. Et donc, le résultat était plutôt une forme de confusion qu'un effet de persuasion sur une part plus importante de l'électorat. Ceci dit, donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la majorité d'entre vous avait raison sur ce point-là. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose, même si sur papier ça peut conduire, sous certaines hypothèses, à la même distribution de revenus nets, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Premièrement, parce que rien n'implique qu'un revenu universel, hein, qu'un revenu de base inconditionnel, soit financé par l'impôt sur les personnes physiques. Or, il n'y a
d'une forme d'équivalence avec l'impôt négatif que s'il y a un financement intégral par l'impôt sur les personnes physiques. Par exemple, un millier d'économistes américains, en février dernier, ont défendu l'idée d'un carbon dividend, d'un dividende carbone, en disant qu'il importe d'urgence d'introduire aux États-Unis une taxe carbone, un impôt carbone, et le rendement de cette taxe serait intégralement reversé aux citoyens sous la forme d'un dividende carbone, de manière à surcompenser ceux qui sont des faibles émetteurs de carbone, donc en moyenne des plus pauvres, et à sous-compenser les plus riches qui sont directement ou indirectement des surconsommateurs ou surémetteurs de carbone. Et donc là, on a un véritable revenu inconditionnel, mais financé par une taxe carbone, pas par un impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, il n'y a pas du tout d'équivalence avec un impôt négatif. Dans ma proposition d'eurodividende, c'est la TVA qu'il finance. Là aussi, il n'y a pas d'équivalence avec l'impôt négatif. Ça, c'est une première différence importante entre les deux notions. Deuxième différence, l'impôt négatif est habituellement, dans toutes les propositions sur la table, c'est calculé au niveau du ménage, pas au niveau de l'individu. Donc, on globalise le ménage et puis on dit, bon, le ménage doit autant en impôt et puis on déduit de ce que le ménage doit en impôt, le montant équivalent à l'allocation universelle de chacun de ses membres, hein, donc qui est alors versé à ce ménage sous la forme d'un crédit d'impôt. Ça, c'est une deuxième différence importante. Et la troisième différence importante, c'est que l'impôt négatif reste une allocation qui est focalisée sur les pauvres, hein, puisque seuls les pauvres reçoivent un versement effectif. Et donc, ça suppose qu'il y ait une démarche pour... on ne peut pas attendre la fin de l'année pour savoir combien d'impôts, quel est le montant de l'impôt dont on est redevable. Et donc, il faut une démarche de la part de la personne pauvre qui doit savoir où aller pour dire, bon, j'ai droit à autant. Il faut pouvoir calculer ce montant s'il y a quand même... si cette personne a quand même quelques revenus qui font qu'elle ne recevra pas l'intégralité du montant du crédit d'impôt, elle ne le recevra pas d'avance. Donc il y a inévitablement une stigmatisation qui est liée à ce statut et un taux de recours, donc la proportion des ayants droit recevant effectivement cette allocation, comme c'est le cas pour le RSA aujourd'hui, sera inévitablement bien inférieur à 100%. Donc beaucoup de personnes ne recevront pas du tout, recevront trop tard ce à quoi elles ont droit. En revanche, dans le cas d'un revenu universel, c'est versé ex ante à chacun. Éventuellement, c'est certains qui ont des revenus réguliers préfèrent que ça prenne la forme d'un crédit d'impôt. Mais ils peuvent en faire la demande, mais par défaut, c'est donné à chacun de manière tout à fait inconditionnel et sans avoir à effectuer aucun contrôle autre que la condition de résidence fiscale. Voilà pour la quatrième question, la plus aride. Et enfin, cinquième et dernière question. Et je regarde. En même temps, je constate que j'ai encore combien de minutes parce que tu as encore le temps, tu peux continuer. Non. Cinquième et dernière question. Est-ce qu'il est vrai que la Finlande a instauré en 2017 un véritable revenu de base et puis l'a abandonné l'année dernière? Alors, ceux d'entre vous qui pensent que c'est bien le cas, lèvent la main. OK. Et ceux qui pensent que ce n'est pas le cas, lèvent la main. Bon, OK. Très bien, ça me donne l'impression de faire du travail utile de correction de fake news, parce qu'effectivement, sur ce qui s'est passé en Finlande, il y en a eu pas mal qui a circulé. La Finlande n'a pas instauré de revenus inconditionnels. La Finlande a organisé une expérimentation de 2 ans, qui peut être considéré comme une expérimentation d'un véritable revenu inconditionnel.
mais avec un échantillon extrêmement particulier. Ce n'est pas un échantillon de l'ensemble de la population finlandaise, ce sont simplement 2000 personnes parmi les 150 000 qui recevaient, donc au début de 2017, qui recevaient l'équivalent du RSA français. En Finlande, c'est un montant de 560 euros par mois. Et donc, ces 2000 personnes sur ces 150 000, à 2000 personnes sur ces 150 000, on a dit, écoutez, pendant 2 ans, vous allez recevoir ce revenu de manière strictement inconditionnelle. Si vous mettez en ménage avec quelqu'un d'autre qui a un revenu, pas de problème, vous gardez vos 560 euros. Si vous trouvez un boulot, pas de problème, vous gardez ces 560 euros. Ce n'est pas donné seulement aux personnes qui n'ont pas d'autres revenus, pas donné seulement aux pauvres. Si y a un boulot qui est disponible et que vous le refusez, pas de problème, vous gardez ces 560 euros. Et vous n'avez plus aucune obligation d'écrire des lettres à des employeurs potentiels, de venir vous présenter à un bureau de l'emploi. Hein, donc il y a vraiment les trois inconditionnalités que j'ai mentionnées au début sont satisfaites dans le cas de l'expérimentation finlandaise. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Ils n'avaient pas l'intention de le faire plus longtemps. Bien sûr, les chercheurs ont regretté que ça ne puisse pas se prolonger, puisque on pourra évidemment faire ça pendant 2 ans. Ça ne donne qu'une image très partielle de ce qui pourrait se produire si on savait qu'on allait l'avoir pendant toute la vie, hein, ce revenu. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait une expérience au Kenya en cours, hein, où là-bas on dit aux gens, écoutez, vous recevrez ça pendant 12 ans, mais avec ça coûte beaucoup moins cher au Kenya qu'en Finlande, parce que 20 euros par mois, c'est moins que 560 euros par mois. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait en Finlande. Qu'est-ce que ça a donné? On n'a pas encore les résultats définitifs, parce que justement pour essayer d'affecter le moins possible le comportement des gens par une intrusion dans ce qu'ils étaient en train de faire, donc, les expérimentateurs ne voulaient obtenir des données sur ce que ces personnes ont fait qu'à travers les statistiques officielles. Donc, statistiques d'assurance maladie invalidité, statistiques sur les cotisations sociales payées s'ils travaillent, etc., etc. Et donc, ça met pas mal de temps dans le système finlandais pour parvenir jusqu'aux chercheurs, si les chercheurs ne voulaient pas, en cours de route, pendant les 2 années, constamment interroger les gens pour savoir ce qu'ils étaient en train de faire, ce qui aurait eu pour effet de bousculer complètement l'effet véritable de l'introduction d'une telle mesure. Néanmoins, ils ont les résultats pour la première année et ils ont procédé, alors tout à la fin de l'expérimentation, à des entretiens téléphoniques avec ceux des sujets de l'expérimentation qui voulaient bien répondre à leurs questions. Et donc, ce qui émerge à la lumière de ces résultats provisoires, c'est qu'il y a une légère augmentation, mais statistiquement non significative, de la participation au marché du travail, et d'une part, et puis d'autre part, ça sur la base des entretiens tout à la fin des 2 ans, et d'autre part que l'état de santé des personnes, tel qu'il est subjectivement exprimé par ces personnes, donc ils n'avaient pas encore les données objectives, est significativement meilleur dans le groupe expérimental que dans le groupe de contrôle, et aussi le niveau de stress dont ils ont fait l'expérience pendant les 2 années, nettement inférieur à ce qui s'est passé dans le groupe de contrôle pendant la même période. Alors, on aura bientôt les résultats définitifs. Est-ce que ces résultats sont de nature à affecter significativement la discussion sur le bien fondé de la mesure? Ben, ça dépend évidemment du critère d'évaluation d'une réforme de ce type-là. Est-ce que l'objectif, c'est d'augmenter la participation au marché du travail en disant, ben, puisqu'ils peuvent cumuler les revenus du travail avec cette allocation, ben, on peut espérer qu'ils travailleront plus. Est-ce que c'est réduire au maximum les dépenses bureaucratiques, puisqu'on n'a plus
dû ennuyer ces gens avec payer des fonctionnaires pour leur demander de postuler des emplois, etc. Ou est-ce que c'est encore autre chose? Parce que si, comme c'est mon cas, si la justice se définit en termes de liberté, et plus exactement en termes de liberté réelle, dont jouissent ceux qui ont le moins de liberté réelle, ben, on n'a pas besoin d'expérimentation pour savoir que augmenter l'inconditionnalité sans diminuer le niveau de ces allocations ne peut que donner plus de liberté à ces personnes qui sont des personnes parmi les plus pauvres de la société et à qui on donne des possibilités supplémentaires, possibilités d'accès à l'emploi, mais aussi possibilités de faire autre chose que l'emploi et de s'investir dans d'autres choses sans stress, avec moins de stress, voilà. Moins de stress qu'autrement, grâce à cette sécurité de base plus ferme qui leur est accordée du fait de la mise en place de ce revenu inconditionnel. Et donc, comment on dit en anglais, le framing, le cadrage de ce type d'expérimentation est très important, parce que si on dit « Ah, l'objectif, c'est d'accroître significativement la participation au marché du travail », et puis on voit qu'il y a un petit accroissement, mais non significatif. On pourrait même constater qu'il y a une diminution de la participation au marché du travail. Alors, est-ce que ça condamne la proposition de fait là? Mais ça dépend du critère. Bien sûr, quel que soit le critère, il faut que le système soit soutenable, économiquement soutenable. Ainsi, on introduit un revenu universel à un certain niveau, 800 euros, et puis on se rend compte que les incitants ou les désincitants économiques à ce moment-là sont tels qu'il n'y a pas moyen de le financer de manière durable, ben alors effectivement, ce n'est pas une bonne idée, puisque minimalement, elle doit être soutenable économiquement. Mais ce n'est pas une expérimentation du type de l'expérimentation finlandaise qui peut nous renseigner sur ce point-là, parce que la viabilité économique va dépendre de l'impact de l'introduction d'un tel système sur le comportement de ceux qui sont aujourd'hui au travail. Et aucune de ces personnes n'était dans l'expérimentation. Et même, on aurait pu en mettre certaines d'entre elles dans l'expérimentation, celles qui auraient gagné, hein, celles au SMIC, par exemple, hein, pour revenir au cas français, celles au SMIC qui auraient gagné du fait de l'introduction d'un revenu universel. Mais il ne pourra jamais y avoir une expérimentation éthiquement défendable qui disent à un certain nombre de personnes, écoutez, pendant 2 années, ou 3 années, ou 5 années, vous allez avoir un revenu net inférieur à celui qu'ont, au même moment, des personnes qui se trouvent exactement dans la même situation que vous. Mais prêtez-vous, s'il vous plaît, à cette expérimentation pendant 5 années. Bon. Dans le cas finlandais, la participation était obligatoire si on était tiré au sort, mais ça n'était acceptable que en raison du fait qu'aucune de ces personnes ne voyait sa situation détériorée. Ils recevaient le même montant, mais inconditionnellement. Et donc, on ne pourra jamais avoir une expérimentation qui nous permette de dire, avec un degré minimal de certitude, que un revenu universel financé à un certain niveau et d'une certaine manière est viable, hein, est économiquement soutenable ou ne l'est pas. Bien, alors, donc comme je vois que je n'ai pas poussé sur le bon bouton ici, donc je ne sais pas combien... soit je m'arrête ici, soit je mentionne simplement brièvement... Si tu peux, vous pouvez conclure, ouais. Je vais... Donc, oui, juste. Je préfère m'arrêter ici parce que si je vous ai dit que j'ai déjà parlé de ces choses à beaucoup d'endroits dans le monde, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'entendre les réactions de la salle. Qu'on parle, comme j'ai fait un jour, à Kangaroo Island en Australie ou en Californie ou au Nigeria, ben, on a des réactions très différentes de celles qu'on a à Bordeaux. Enfin, je suppose. Je remercie infiniment Philippe Van Parijs pour sa présence et son exposé très dense et passionnant. Thank you.